Eh coucou la VOD, et bienvenue sur une nouvelle session de Warframe. Donc aujourd'hui, on va parler de trois conneries. Première vidéo, il y aura deux qui vont être enregistrées à la suite. La première, le Glassmaker. Bienvenue chez Glassmaker. Le crime numéro 2 est arrivé. Attention. Ah, ils ont divisé par deux les... Oh, ils ont divisé... Ils ont dit, ok. On cherche du coup la deuxième scène de crime. Mon dieu, qui est arrivé du coup. Fantastique. Glass is still turning up, Dreamer. On trouve encore plus de verre. Mais tu savais déjà. T'as croisé des céphalites toi-même, oui. Like a cephalon interrupted. Well, partiellement vert. It seems they're on the move now, changing course. Ah, bonjour wow. Monsieur Corpus. C'est la seule piste qu'on a. Une nouvelle scène de crime que j'ai réussi à récupérer avant que les taxmen arrivent. Un geek solo sur un train du corpus, tiens. It's the only way to find out who's behind this and put a stop to it. Parfait. Parfait. Donc, parti comme ça. On y est. On va quand même récupérer, hop, une petite feuille de papier. Car je n'ai pas confiance en ma mémoire. Alors, it is parti. Bonjour. Tu as été criminalisé, toi. Tu ne vas pas bien. Inspecté. Chaque jour, ils récitent le dogme du corpus. Le cri de la cupidité vertueuse. Harvey, nickel. La cupidité vertueuse. Fantastique. Righteous Greed. Non mais vraiment? Ok. Par contre on est sur un train dans un wagon, c'est ça, donc il doit y avoir rien. Ah ouais, alors ok. Donc là il va falloir respecter salement. Donc si on récupère le même principe que le premier, il faut trouver 5 indices. Oh, des cellules d'énergie. Vas-y, excavation, go. I want cryotic. Alors, ouais. Bonjour, ça s'inspecte ça? Pas du tout. Ça s'inspecte ça? Pas du tout. Ah, c'est très chiant. Bonjour, bonjour. Regarde de partout, hein. Faut trouver les 5 machins. On ne s'aventure pas dans le... De toute façon... Ah non, de toute façon, le jeu ne nous autorisera pas à y aller si on n'a pas les 5 trucs. Tant mieux. On peut y aller en bas. Ah, je peux pas sauter. Non, c'est nul. C'est nul. Respectons les murs. Bonjour. Y'a rien? Non. Y'a rien? Non. Là, y'a un datapad. Ça, c'est bon. Ça, c'est un indice, ça. Je reconnais ça. Parfait. Bonjour, comment allez-vous, vous? Maintenant qu'on a un peu plus géré le bordel. Alors, radiométrique data. Données radiométriques. Vague de transmission qui montre 36 picos, donc 36. Donc là par exemple, 36 c'est en gras, donc 36 est un indice. Hop. 36 c'est important, 36. Donc on note 36. Ok, d'accord, admettons, 36. Pourquoi pas. Ensuite, par ici. Par ici, par ici. Non, 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 je vais trouver 1. Comment ça 1? C'est peu 1. Attends, on est d'accord que la salle c'est que ça? Wait, what? Stop, quoi? Oula, va falloir lever les yeux, je pense. Ou ça va être au plafond, ça va être au mur, ça va être quoi? Salut, toi, t'as un indice, toi? Pas du tout! Ah si, attends, ça, c'est un indice. Bonjour. Inspecté. Qu'est-ce que c'est? C'est un badge. Corpus ID badge. Tout à fait! Plaque d'identification du corpus, basique, machin, tout ça. Assignement details, on reverse. Ah! Ah merde, c'est quelle planète, ça? Chut, c'est quoi ça? C'est pas Vénus? Ah, je sais plus. Oh, Méridé. C'est Europe? C'est Vénus? C'est quoi? Non! 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 Alors, je vais noter planète. On verra après. C'est quoi cette planète? Chut. Alors, comme d'habitude, les indices du coup. Bac vendu. Donc, comme d'hab, les indices normalement sont différents selon les gens. Donc, les indices que moi j'ai seront pas les mêmes que tous les autres gens. Voilà. Donc, ce sera pas 36, ce sera pas machin, tout ça. Alors, certains corpus. Hein, quoi? Ah non. Quel genre de corpus j'ai tourné. Je suis devenu. Aider des réfugiés. D'accord. Faire de la contrebande d'esclaves. Enfin, de Debt Slaves, c'est quoi? Comment on appelle ça? Ouais, enfin, aider les réfugiés, quoi. Ma mère deviendrait blanche si elle pouvait me voir. Deviendrait blanche? Hein, quoi? What?
Un exploit est pointless. Donc là, le mot clé, c'est pointless. Aucune idée de comment ça va se goupiller ça dans la suite, mais le mot clé, c'est pointless. Pourquoi il y a pas de code? Oui, c'est vrai que oui, il y a pas de code. Donc attends, là j'en ai 3. Ouais, cool, j'en ai 3. Ça, c'en est un. Attends, ouais, ça, c'en est un. Oh, un casque corpus. Bonjour. Alors, casque corpus, variante du casque standard corpus, sert de protection et de cachage d'identité. Parfait, il n'y a cependant rien. D'accord. En fait, ça doit être les indices eux-mêmes, du coup. Donc on a trouvé un badge d'identification, et on a trouvé un corpus helmet. Ok. On va dire oui. On va dire oui, hein. No accident, their hoods look like this. C'est pas un accident que leur casque ressemble à ça. Just another robot to the corpus. Ah, les modulateurs de voix font le reste. Juste un autre robot qui bosse pour le corpus. Ok, c'est juste pour les déshumaniser à mort. Ok. Alors j'ai pas de problème. Par contre, il m'en manque un. Comment ça, il m'en manque un? Non, mais ça, c'est non. Attends, là, non. Là, non. Là, non. Ah, chiotte. Comment ça, il m'en manque un? Dans cet espace ridiculement petit, il m'en manque un, là. Alors moi, je veux bien, mais c'était... Hein? Allô? Ah, doit être dans cette partie-là, du coup, c'est la seule partie que j'ai pas... Attends, quoi? Comment ça, il m'en manque un? Plaît-il? Cher monsieur, il m'en manque un. Attends, par terre? Allez, y'a pas une petite merde par terre, une connerie? Donc c'était tout par terre jusqu'à maintenant. On va essayer de voir si... Attends. D'accord, là-haut. Là, il y a des casiers de partout. Parce qu'on peut pas trouver des trucs dans les casiers, sinon. Bonjour, bonjour. Genre ça, c'est rien. Non, ça, c'est rien. Là, y a rien. Là, y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Non, non. Ah, ça y est. La recherche phonétique est en place. Donc là, il m'en manque un. Je suis à 4 sur 5. Et il m'en manque carrément un. Que la question est où ça? Comment ça et où ça? Plaît-il? Plaît-il? C'est pas des indices. Non, faut cliquer partout, hein. À l'aide. Ah, ça y est, le à l'aide. Et oui, le fameux. C'est la merde. Comment ça? Comment ça? Donc attends, ça c'est un indice, mais je l'ai déjà eu. Ça c'est rien. Rien. Rien au-dessus. Non. Rien au-dessus. Non. Rien au-dessus. Non. Corpus ID badge. Oui, non, mais d'accord, mais non. CC. Ça c'est fait aussi. Ça c'est que dalle. Attends, qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Enfin, un truc qui ressort quelque part. Attends. Non, 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 quoique. Non. C'est une serrure, ça. C'est un coffre, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, non. Là, y'a rien non plus. Non, non. Là, y'a le casque. Mais du coup, trouvez le casque déjà. Oui, oui, trouvez le casque déjà. Non, peut-être sur les corpus eux-mêmes, là. Les armures corpus. Y'a un truc sur les armures corpus? Regardez. Bonjour. Non, non. Inspecter. Non. Là-bas. Non. J'ai craft. Super, je m'en fiche. Non. Au-dessus des casiers, peut-être? Au-dessus des casiers. Attends. Ah, on peut grimper là-dessus. Ah, c'est marrant. Ah non! On peut faire genre, mais en fait, on peut grimper sur le... Ah, on peut grimper sur le petit, mais pas sur les bancs. Ah, c'est nul. Non, 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 et non, hein, du coup. Dame Ned, où est le cinquième? Ouais, j'ai un souci là. J'ai un gros souci là. Lui du coup, il y a rien. Je peux pas inspecter. Non, il y a rien. Comment ça, il y a rien? Mais c'était. Attends, là il y a rien, là il y a rien, là il y a rien non plus. Mais plaît-il? Mais plaît-il? Bonjour monsieur. Vous allez pas bien monsieur? Apparemment, vous étiez encore plus gentil. Donc lui, il aidait les gens. C'est cool. Par contre, Glassmaker, pourquoi tu l'as buté, sérieux? Quel est ton problème? Ok. Donc là, soudainement, on se heurte à un problème. On a trouvé 4. Oui, le numéro... 1 hein? Numéro 5. Numéro 5. Yes, oui. Yes, oui, comme fou. Qu'est-ce que c'est que ce... Je ne sortirai pas d'ici avant de l'avoir trouvé. Comment ça, y a pas de 5? Si, y a un 5, c'est pas possible qu'il y ait pas de 5. Comment ça, y a pas de 5?
Et cette diablerie. C'est diabolos ça, monsieur. Bon, maintenant, on va falloir check de partout entre les casiers, alors. Hein. Pixel par pixel, retournons chaque caillou. Voilà. On a eu les évidents. Les quatre qui étaient en vue. Du coup, il y en a un qui est pas en vue. C'est la question qui va se... C'est le problème. Qu'il y en a un qui est pas en vue du tout. Le problème, c'est que je peux pas m'accroupir derrière pour changer l'angle de caméra pour voir les reliefs. C'est pénible. C'est fort pénible. Ça, c'est rien du coup, on a dit. Hein. T'es sûr, hein? Ouais, c'est sûr. Non, non, mais tout va bien. C'était rien. C'était bel et bien rien. Du rien saupoudré d'un peu plus de rien. Je suis déçu. Là, là, il y a que dalle. Là, il y a que dalle. Là, il y a que dalle. Donc après, les indices sont pas les mêmes, mais ils sont au même endroit pour tout le monde, par contre. Alors, bonjour. 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 Non. Non. Là. Non. 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 Hop là. On arrive sur les casiers. Entre deux. Non. Y'a rien. Y'a rien. Au-dessus. Rien. Au-dessus. Rien. En dessous. Rien. Ok. C'est quoi ça? Non. C'est le mur. Tout va bien. Ensuite. Rien. Rien. Là. Un truc là. Ça ressemble à... Y'a rien de truc là. Non, parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est pas des trucs si planqués que ça non plus. Donc là, je suis en train de parano, parce que je l'ai pas trouvé. Mais normalement, c'est pas un truc qui est si planqué. Lui, c'est le 36. Ouais, lui, c'est le 36. Salut. Toi, on est d'accord, y'a que dalle. Y'a que... quoi? Pourquoi j'ai vu un truc bizarre qui s'est affiché à mon écran? Ah non, ok, c'est moi qui... Ok. Je fais des pulsations... J'avais pas vu. Ça fait quelque chose les pulsations? Non, ça fait rien. Là non, non, attends. Banc. Sur le banc. Non, sous le banc. Non. Les casiers de partout, on a check. Ensuite, par là. Salut toi, tu es louche. Non, tu dépassais mais c'était rien. Tout va bien, tout va bien. Ça y est, la paranoïa arrive. Bonjour. Bonjour. Donc là il y avait le journal. Là il y avait le badge. Ok. Là il y a du texte corpus. C'est pas un indice ça? Non, ça a pas l'air. Ça a vraiment pas l'air? Ça a pas l'air du tout. Non, on peut pas cliquer, hein. Ça a vraiment pas l'air. Ça, c'est le truc à ID badge. Ce truc à badge, ça. Mais du coup, il y a le badge. Mais cool, mais c'est pas ça non plus. Du coup, on est d'accord qu'avec ce badge, y'a rien. Ah, si, c'est ça. Détail de l'assignement, machin, tout ça. Mais ça, c'est... le problème, c'est que... Je me sens plus ce que c'est cette planète. Ça m'énerve. C'est quoi cette planète? On ira check en détail si jamais on se foire. Ça, c'est un vieux reflet à la con. Hein? Il y a une texture qui fait un reflet dans le mur, là. Cette texture n'est pas là, monsieur. Il manque une texture, là. On s'en fiche, c'est pas important. Ça, c'est un indice, ça? Non, ça, là. C'est quoi, ça? Ce skin chelou. On s'en fout. Mais c'est pas un indice, du coup. Mais, ok. Ok, ok, ok. Donc là, on arrive sur le coin. D'accord. D'accord. Et d'accord. Là, non. 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 Toi. Non, non, là-haut, non, 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 toujours pas, incroyable, ce casier n'est pas ouvrable, non, ça non plus, absolument pas, c'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des étagères sur ces conneries, j'avais pas vu à chaque fois, j'ai pas fait gaffe à ça, effectivement il y a des étagères dans ces trucs, j'ai pas regardé les étagères des, oh non, me dis pas que c'est ça, là il y a le casque corpus, tout à fait. Il est à côté, c'est pas un nom, non, moi non. Ça non plus, ça non plus. Damned! Incroyable, Damned! Comment que je te fais. Hein? Attends, quoi? Stop, les étagères là, y'a rien? Étagère, 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 étagère. Là! Me dis pas que c'est ça! Me dis pas que c'est ça! Oh purée, c'était ça! Oh la saleté! Y'a un datapad ici! Oh la saloperie! Trouvé! Mais quel enfoiré! Pardon, quel truc horrible! Alors, un datapad qui contient le catalogue d'items de luxe. Le genre qui n'est récupérable, enfin, qui n'est, comment on appelle ça, affordable. Le genre qui ne peut être acheté que par les meilleurs, les plus hauts échelons de la société Corpus. Ok, d'accord. Upmarket brochure défaillite. Alors, il n'y a pas de texte en gras, donc on va partir du principe que c'est l'item lui-même qui est important. Donc, c'est... Upmarket... Brochure défaillite.
Ok. Parfait, ça te donne évidence. Donc là, normalement, lui, il brille. Ah, voilà. Propagande du corpus. Alors, ensuite, on va se barrer d'ici. Très vite fait. Parce qu'en fait, je veux pas paralyser, mais quand même. On va vérifier un truc. C'est quoi cette planète? C'était Europe? Ou c'était Vénus? Ha! Ou Neptune? Chiotte. Le problème, c'est qu'elles sont pas représentées comme ça. Vénus? Je ne sais point. C'est très chiant. Placemaker. Reviens. Non, c'est bon. Skip. Ça, c'est bon, on s'en fout. Donc, lui, il est resté actif. Donc, quand on a trouvé les 5 indices, du coup, comme l'autre, voilà. Le truc est actif, tout ça, tout ça. On va juste retourner voir vite fait le corpus ID truc, là. C'est quoi la planète? J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est Vénus ou Europe, je pense. Mais alors... jaune comme ça? Je crois que c'est Vénus. Ça doit être Vénus. Ça devrait être Vénus. On va tenter, une première fois. On va bien voir, hein. Inspecter. Interact. Du coup, ça coûte plus que 5 résonances de céphalite. Oula. Nous rencontrons un coup. Je suis au milieu de quelque chose. D'accord. Ah non, c'est le skin. C'est celui-là. Ce qui comptait, c'était la gueule du truc, ok. Non, pointless. Le corpus de... Oh, les salauds. Et, hein? Faut vraiment avoir mémorisé la gueule du... Non, c'était pas celui-là. Ah, chiotte. Non, ça, c'est méchant. Tu n'es pas un vrai enfant. Oui, non, mais non. Ah, c'est la gueule. Faut mémoriser le skin. Oh, putain, ils sont relous. Ouais, alors attends. Donc, le skin, il est à droite. Donc, c'est dans ce sens-là. Hein. Oui, c'est dans ce sens-là. Oh, mon Dieu, c'est un skin avec quoi? C'est quoi, ce qu'il y a dessus? C'est des cyclones? C'est des trucs? C'est des roues de Fortuna? Non, même pas. C'est quoi? C'est des roues? C'est des anneaux? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, je crois que c'est des anneaux. Avec des coins en crédit. Ça a l'air d'être des anneaux. Ça a l'air d'être des anneaux. Avec un rond en haut, trois croix. Oh là là. Ouais, alors. Donc, on va y retourner. On disait. Ah oui, et du coup. Ouh, ça pue ça. Ah, ça boucle. Nous rencontrons à nouveau. Je suis au milieu de quelque chose. Oui, tout à fait, fous-moi la paix. C'est où? C'est où? 36, là. Ah, il a changé. Ah mais parce que l'ordre change aussi. Ah non. C'est sadique ça. Ok, le casque corpus. Donc c'est celui que... Pas celui-là, c'est celui-là. Bonjour. Ouh. Ah, et donc là, il me faut... rond, croix, ça doit être... Rond... Non, c'est celui-là. Ok, et là c'est planète, donc ça c'est celle-là. Ok, cool, et là c'est pointless. Donc là, bien évidemment... Fou. Tout le monde est coupable pour le bien qu'ils ne font pas. D'accord, si quelqu'un regarde, ok. Je vois tout. Oula, attends. Quoi faire? Oui, non, on s'en fout. Alors, un mal ancien. Non. Comment on dirait ça? Une malédiction ancienne? Un destin ancien? Ah, je sais pas comment tu dis ça. Alors, avec une seule erreur, la feuille de ma vie. Hein, quoi? S'arrête net? Non. Qu'est-ce qu'il écrit? J'ai lâché une tornade sur le système. Toute vie exposée. Sous son regard fou et furieux. Oula, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, une chose morte, furieuse à la mort. Une chose perdue qui voudrait voler le sens de toute vie. Un mal ancien. Et je l'ai accueilli. Admettons, mais ça n'a aucun sens. Ah, cette Midnight Wave, ça c'est bien ça. Alors, on va admettre, mais ça n'a pas de sens. Le mot Legum. That Orican word for law. I put the feelers out. My network, little ducks, the quills. Dreamer, I think I know who the glassmaker is. Or who he was. Ah, je pense que je sais qui est le glassmaker. Nahil. Ah ouais?
ou qui il était, Nihil. Chaque Seth que tu as rencontré avant était d'une personne, avant qu'il le rencontre lui. Il les a tous créés, pour eux, pour les Orokin. Punition. Quoi ? Now that Vondu's built him that broadcaster, oh, he's looking merde. To graduate from murder to mass murder. Nihil's gonna go wild. Nihil, le créateur des céphalons, ce serait du coup le monsieur. Hein ? Comment il est encore en vie, lui ? What ? Ça n'a pas de sens. Je... Confus. Ok, bon, nous avons réussi. C'était donc la deuxième enquête de la saison 3 des Ondes Nocturnes, Glassmaker. Du coup, on a récupéré son nom. Il s'appelle Nihil. Et apparemment, d'après Nora, ce serait le créateur originel de tous les céphalons. Céphalons qui, pour rappel, du coup, sont... Le concept de céphalons, c'est des entités... Intelligence artificielle, c'est vite dit. Ce sont des gens qui ont fait des problèmes, qui ont été sanctionnés, punis, condamnés à devenir des robots, à devenir des intelligences semi-artificielles, du coup, parce que ça reste des gens à la base. Par exemple, si vous récupérez tous les fragments de la mémoire d'Ordis et que vous allez check un petit peu, c'est déjà expliqué depuis le début du jeu. Et le concept de transformation en céphalon, c'est un problème. C'est un problème pour beaucoup de gens. C'est une sanction Orokin très dégueulasse. Notamment, ouais, Ordis qui est dans le vaisseau, par exemple, était un tueur en série appelé Ordan Caris. Simaris, on n'en a pas la moindre idée, etc., etc. Mais bon, on part du principe que c'est tous des gens à la base et qu'ils ont tous été punis pour un truc horrible. Genre, Ordis est un tueur en série quand même, hein. D'où les commentaires un peu chelous. Voilà, et si vous voulez tout le détail, allez scanner tous les fragments de céphalons et après dans le codex. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo où on a galéré à trouver le cinquième indice. Nom de Dieu. Donc comme d'habitude, pensez que les indices seront probablement au même endroit, mais pas les mêmes. Pas tout à fait les mêmes, avec des variations. Et voilà. Avec Full Céphalite, du coup, vous pouvez trahir le truc 4 fois, donc ça devrait être largement suffisant pour ne pas le rater. Et dans tous les cas, il y a largement le temps pour refarmer les 20 avant la prochaine enquête, vu la marge qu'on a. Sur ce, portez-vous bien, plein de bonnes choses sur vous, et on se voit dans la prochaine. Des bisous!